Le seul délit politique, c'est lorsqu'on prétend que le Sahara n'est pas marocain. Que les non-marocains puissent le prétendre, de bonne ou de mauvaise foi, ceci m'est complètement égal. Alors à partir du moment où un Marocain me dit que le Sahara n'est pas marocain, il va en prison pour ça? Ah, naturellement. C'est un délit d'opinion ou... Ah non. Vous pouvez accepter en France qu'en 68, un Allemand, Cohen Bendit, traîne le drapeau français sur les Champs-Élysées par terre, suivi en cela par des centaines de milliers d'étudiants. Si les Français l'acceptent, c'est leur affaire. Mais moi, je n'admettrai jamais qu'un étranger en plus vienne traîner le drapeau marocain dans une manifestation. Et même si un Marocain le faisait, je considérais qu'il est passible de prison.